Et Thomas, on va commencer avec vous, c'est un sujet un peu plus léger, agréable. Un peu de légèreté dans ce monde de brut. Nous fêtons cette année les 150 ans de l'impressionnisme, de cette première grande exposition chez Nadar à Paris en 1874, où ont été révélés, officialisés, mis à l'honneur ce mouvement autour de Pissarro, de Renoir, de Monet. Et donc, je vous invite tous à découvrir le programme de Normandie Impressionniste, qui est un énorme programme pendant plusieurs mois en Normandie, aussi à Paris, au Musée d'Orsay, avec de magnifiques expositions. Certaines sont gratuites, comme David Hockney, qui est un des artistes contemporains les plus connus du moment et qui expose gratuitement aux Beaux-Arts à Rouen. J'ai inauguré ce week-end l'Impressionnisme et la mer au musée de Giverny, qui est une magnifique exposition avec beaucoup de Manet, beaucoup de Monet sur ce lien entre maritime, mer et paysage. Vernon, dans l'Eure, va aussi accueillir une magnifique exposition autour de Blanche Augedet, qui était la belle-fille à double titre de Monet, puisqu'elle était la belle-fille par sa mère et elle a épousé un des fils de Monet. C'est intéressant, c'est surprenant. Et donc, rendez-vous en Normandie pour cette magnifique événement qui est Normandie impressionniste, et je vous invite à rêver un petit peu sur ces grands peintres qui ont magnifié la Seine, magnifié la Normandie et qui sont connus dans le monde entier pour cela. Voilà. Soyons fiers, effectivement. Oui. Je rejoins beaucoup monsieur. Europe Écologie Les Verts ne sont pas les seuls à faire des commissions d'enquête internes. Il y a aussi LFI qui l'a fait énormément. Et je condamne tout excès, tout abus, toute violation du droit. Il n'y a qu'une seule réponse, c'est le procureur général de la République. Ouais. Ça n'est pas des commissions internes où on règle aussi des comptes, pourquoi pas, au sein des partis politiques. Et c'est scandaleux. Et ces partis de gauche qui font la loi chez eux, notamment sur des sujets aussi sensibles sur lesquels ils donnent tant de leçons mais qu'ils les traitent de manière un peu particulière, je trouve ça scandaleux. Sur le sujet de la présence de Quentin Bataillon au plateau de Touche pas à mon poste, je trouve les faits d'une gravité absolue. Pour moi, ça vient à remettre en cause même cette commission d'enquête et l'impartialité et l'attitude de ce parlementaire. Un parlementaire est quand même un représentant du peuple avec des droits et des devoirs vis-à-vis de la Constitution et vis-à-vis de la législation française. Et je pense que son attitude pose de sérieuses questions sur sa moralité de député, sur cette volonté de vivre du spectacle et d'alimenter un espèce de feuilleton. Monsieur Bataillon, il faut quand même savoir, est passé de Monsieur Lavrieux à Monsieur Riester pour avoir été LR, puis maintenant désormais député En Marche. Ça vous donne un peu l'idée de sa colonne vertébrale. Il n'est pas le seul. Il y en a même qui sont au gouvernement. Et je trouve ça vraiment regrettable. Quelle image cela donne des jeunes qui veulent s'engager en politique, que dès qu'on vous tend un micro, vous le saisissez et vous rompez toute valeur et toute dignité. Ça, pour moi, ça remet complètement en cause la dignité de ce parlementaire. Et comme le dit Geneviève, c'est une faute grave, absolument grave. Non, c'est un sujet, un sondage, pardon, très intéressant sur les municipales à Paris qui attire beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement, c'est en effet cette percée de Rachida Dati, mais qui malgré tout est à prendre en considération face à une chute brutale du camp de la maire sortante, Anne Hidalgo, et avec cette baisse absolue du score et des intentions de voix données à Madame Hidalgo. Ensuite, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que la droite à Paris, menée par la présidente de la Fédération Agnès Sévren, là en l'occurrence Francis Piner en candidat putatif, maintient un score quand même très élevé dans ce sondage, malgré une éventuelle candidature de Rachida Dati, puisque à plus de 10%, la droite se maintiendrait au second tour avec une candidature de Rachida. Ce qui m'a aussi beaucoup interpellé dans ce sondage, c'est la percée des extrêmes, puisque Marine Le Pen fait 5% à la présidentielle de 2022 sur Paris, et si on fait l'addition de Reconquête et du RN dans ce sondage, on arrive à 15% d'intention de voix donnée au Front National et à Reconquête sur la capitale. Ouais. Et enfin, je dirais que ce sondage ouvre beaucoup de perspectives, parce que Gabriel Attal, dans cette hypothèse-là, prend beaucoup à la gauche, qu'il y a aussi des incertitudes sur le choix du candidat de la droite, sur un candidat unique, droite et centre, droite majorité présidentielle, et la capacité aussi à d'autres candidats de se faire entendre. Et il y a Pierre-Yves Bournazel, Clément Beaune, j'ai cité Agnès Sévren, il peut y avoir aussi Geoffroy Boulard. Donc c'est un sondage qui quand même évoque beaucoup de perspectives sur ce schéma national qui pour moi est un enjeu national de cette élection à Paris, parce qu'au vu des problématiques que cela pèse, ce qui est un des enseignements de ce sondage, c'est qu'il va falloir aussi trouver
quoi. Pour l'opposition à la maire de Paris, les moyens d'une union ou d'un rassemblement très large, parce que dans le sondage qui est présenté, Rachida Dati est présentée comme tête de liste Renaissance, Modem et LR, et c'est une union qui n'est pas encore faite. Le soutien que Rachida Dati a apporté à la candidature aux européennes de la liste Renaissance a d'ailleurs posé beaucoup d'interrogations et fragilisé ses relations avec les représentants de la droite et du centre, puisque vous le savez que désormais à Paris, les leaders de la droite et du centre ont créé un autre groupe incarné et présidé par Francis Pinert avec les conseillers de Paris LR et Nouveau Centre que je représente. Il y a une dérive et une banalisation de la dette et des finances publiques qui me paraît totalement délirant. On évoque en effet les 1000 milliards depuis 2017, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la 5e République, et on se retrouve quand même avec des déficits annuels de l'ordre de 150, 160, 170 milliards par an, quand la moyenne des années Sarkozy-Hollande était des moyennes entre 40, 50, 70 milliards dans la pire crise des subprimes. Mais on bâtit des budgets sur des hypothèses de croissance tout le monde sait qu'elles sont de toute façon totalement surestimées. Il y a une insincérité vis-à-vis des citoyens. Comment voulez-vous expliquer à des citoyens qui ont du mal à finir les fins de mois, qui doivent payer leurs impôts, que l'État, la France, le gouvernement peut se retrouver avec un déficit l'année dernière de 150 milliards d'euros sur une année? Et donc ne paye pas ses dettes et chaque année est de plus en plus endetté. Et ce n'est pas une question de hausse d'impôts, c'est pas la hausse d'impôts qui va régler le problème. Il y a 47% de prélèvements obligatoires. En Europe, en Allemagne, la dette, ça représente 60% du PIB. En France, on a dépassé très largement pour la première fois les 100% du PIB. Cette désinvolture vis-à-vis de la dette, ça me choque vraiment. C'est-à-dire que il n'y a plus aucune conscience des politiques à se dire que d'année en année, on va endetter le pays de 150 milliards. Et on trouve ça normal. Il y a 10 ans, on était à des endettements, des déficits budgétaires de 30 à 40 à 50 milliards. Et on est passé à 150. Je pense que les 1000 milliards, ça va marquer profondément l'opinion publique. Parce que ce chiffre des 1000 milliards, il est quand même d'une violence absolue. Surtout qu'il a été prouvé par la commission des comptes, la Cour des comptes, que sur les 1000 milliards, il y a uniquement 200 milliards liés au Covid et à l'inflation et au surcoût de l'énergie. Donc ça veut dire que on se tape 800 milliards de dérèglements budgétaires de la France. Et c'est systémique. Face à cela, il n'y a aucune réforme. Et là, on nous annonce qu'on va aller faire les poches de la GIRC-ARRCO, qu'on va aller faire les poches de l'assurance chômage, etc., qui sont gérées par les partenaires sociaux et qui sont bien gérées. Mais c'est la fin du paritarisme.